Les relations entre Camilla Parker et Meghan Markle ne sont pas au beau fixe, au point que la reine consort aurait gratifié en privé la duchesse de Sussex de pain bêche et d'embrouilleuse. Entre Camilla Parker et Meghan Markle, il semblerait que les relations ne soient pas au beau fixe depuis quelques années. Encore moins depuis que cette dernière a décidé de quitter la famille royale britannique en 2020 pour s'installer en Californie avec son mari le prince Harry et leur fils Archie, 3 ans. Archie, qui aurait justement été la cible d'un commentaire désobligeant de la part de l'épouse du roi Charles III avant qu'il ne vienne au monde, ne serait-il pas drôle que votre enfant soit un petit rouquin avec une coupe afro ? Avait-elle lancé aux futurs parents selon le biographe Tom Bower, spécialiste de la famille royale britannique. Camilla Parker humiliée par une séquence du documentaire Harry et Meghan. Le 8 décembre dernier sortait le documentaire Netflix, Harry et Meghan. Un extrait du documentaire montre Meghan en train de présenter une photo de sa grand-mère paternelle, la princesse Diana à son fils Archie. Une image assez symbolique pour Meghan Markle qui a toujours considéré la défunte Diana comme modèle mais humiliante pour Camilla Parker Bowles, qui aurait qualifié en privé la duchesse de Sussex de pain bêche et embrouilleuse, selon la presse britannique. Pour Camilla Parker Bowles, Meghan Markle n'était pas faite pour faire partie de la famille royale. Camilla Parker Bowles et Meghan Markle n'ont pas attendu la naissance d'Archie en 2019 pour ne pas s'apprécier. Ce fut déjà le cas avant son mariage avec Harry en 2018. Jeudi 22 décembre dernier, le média Radar Online rapportait que Camilla disait à tout le monde que Meghan s'était mis tout le monde à dos, qu'elle n'était pas faite pour faire partie de la famille royale. De plus, selon le média, la femme de Charles III a déclaré au sujet de Meghan que si elle avait été princesse, elle aurait tout fait pour annuler ce mariage. Sans surprise, alors que le roi Charles III présentait pour la première fois ses vœux de Noël à la télévision britannique dimanche 25 décembre, Meghan Markle et son mari Harry, qui publiera ses mémoires vers le 10 janvier 2023, sont restés en Californie avec leurs deux enfants. À lire aussi Camilla Parker Bowles raciste. Cette vidéo de l'épouse du roi Charles III avec des enfants qui fait le buzz.